Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bonne année tout le monde. Excusez-moi un petit peu pour ma voix rauque là, j'ai un rhume là, mais ça va de mieux en mieux. Puis je me suis dit, bon ben je vais quand même essayer de tourner quelque chose là, même si j'ai une voix rauque. Donc pour ceux qui me connaissent, je suis Catherine Lepage, la nutritionniste active. Merci de regarder mon premier vidéo de l'an 2017. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue. Dans le fond, moi, mon métier, c'est je suis nutritionniste diététiste et je m'intéresse particulièrement à, évidemment, la nutrition, mais aussi l'entraînement. Donc, je pratique le powerlifting, la dynamophilie en français et j'aime beaucoup m'entraîner en salle. Pour cette raison-là, j'ai décidé que je voulais vraiment m'y mettre davantage à créer des vidéos autour de l'entraînement et de la nutrition parce que c'est mes deux passions. Si vous regardez sur ma chaîne, j'ai des vidéos en 2016, j'en ai fait quand même plusieurs, là, mais c'était varié. J'avais pas vraiment de thématique, j'explorais, je m'amusais avec ma caméra et je voulais vraiment voir ce que je pouvais faire. Mais là, je me suis dit en 2017, c'est le temps, je mets le paquet puis là, je pars pour de vrai. Donc, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une vidéo de bench, une vidéo que j'ai tournée là, la semaine passée, le premier entraînement de l'année au niveau du bench. Donc, vous allez voir, là, je le décris justement en profondeur dans les prochaines minutes. Puis, concernant mes objectifs au niveau de l'entraînement pour l'année 2017, c'est vraiment d'augmenter la force de mon corps, donc augmenter mon bench et augmenter mon press. Pour ce faire, évidemment, je vais changer mon entraînement, les charges, je vais mettre l'emphase sur des charges plus lourdes, même au niveau de mes exercices accessoires. Et côté alimentation, ça changera pas beaucoup. Peut-être augmenter un petit peu l'apport calorique tout en maintenant là, mon poids de façon stable. Et côté supplément, j'en prends vraiment pratiquement pas, là, à part de la poudre protéinée, mais je vais intégrer la créatine monohydrate, parce que c'est celle-là qui est la plus prouvée, qui a le plus supporté, excusez-moi, au niveau des études scientifiques. Je vais prendre un petit 5 grammes par jour pendant un mois et demi, 2 mois, tout dépendamment des résultats. Puis je vais vous tenir au courant de toute façon dans les prochaines vidéos. Donc, je vous remercie pour votre écoute, puis je vous laisse avec le restant justement du vidéo. Bye! Donc le training que je vais faire aujourd'hui, c'est un training de bench. Donc on va commencer, mais je vais commencer, c'est-à-dire là, à faire un échauffement là, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc je commence avec la barre, puis ensuite j'augmente mes charges au fur et à mesure. Donc je mets un 10, un 5, ensuite un 25, un 35, jusqu'à temps que j'atteigne ma charge avec laquelle je fais mon entraînement. Et là ensuite, l'entraînement tant que c'est 5 x 3, 125. Et ensuite, je vais faire des exercices accessoires, donc qui sont plus de type bodybuilding, du incline bench, du dumbbell bench, incline, du chin-up, du dos. Ça, vous allez le voir dans le reste de la vidéo. Oh,
chien. Une répétition. Trois répétitions. J'en veux cinq. Quatre. Allez, hop, 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 hop. Génial. Championne, je vais te donner un suçon. Qui est le plus fort des Pokémon? C'est Mewtwo. Non, c'est...